sa douleur. Le dépôt, c'est ainsi que s'appellent les représentations artistiques de la scène et de la descente de croix. La descente de croix, du grec apokatélosis, genre pictural et sculptural récurrent. Il n'est donc pas surprenant de retrouver dans l'église romane les restes de l'empreinte du Christ en croix, en position de condamné mourant du supplice infamant de la croix. Christo Crucestus. Yeux grands ouverts, prolongez ainsi au XXIe siècle la simplicité du geste et l'attention du regard que l'artiste du XIe siècle avait mis sur la pierre. Poursuivre l'art de l'humilité d'un traitement consacré. Cette idée du prolongement me vint en pensant au bronze de Michelangelo, réalisé entre 1538 et 1542, qui atteste de l'attention toute particulière à traiter de l'anatomie de la ligne du corps. Ou le bois polychrome de l'orfèvre de l'école florentine, Filippo Brunelleschi, avec son Christ nu de la chapelle Gondi de la basilique Santa Maria Novella à Florence, réalisé entre 1410 et 1415. Sculpture qui déclame le calme et la sérénité, là aussi le précis d'anatomie et de proportions corporelles, du corps modelé par l'étude du nu, le sexe présent dans les deux cas, sans ostentation, et même je dirais avec un effet de pudeur qui répond simplement à l'inutilité du symbole sexuel dans la douleur qu'exprime le corps, sans pour autant le dispenser d'être une marque dans la continuité de la valeur érotique du corps. Nu comme le Christ nu, symbole de pureté originelle, de vérité, de désintéressement, mais aussi d'animalité, de honte, de concupiscence. Reprendre le terme de la nudité au Moyen-Âge, qui dit le meilleur comme le pire. Au sens propre, la nudité est en absence de protection. Être nu signifiant littéralement être dévêtu, et au sens figuré, exprimant l'idée de pureté ou de spoliation. D'un état non modelé, laissé à lui-même. L'art de la vigueur et de la force d'un être nu, les yeux ouverts, à qui est donnée la romanesque volonté de déshabiller les âmes des affections de son propre siècle. Quel ne fut pas mon plaisir en tant que non-croyant à construire de l'œuvre du Christ nu aux yeux ouverts, de l'église de Salerten, un ensemble pictural rythmé par la bivalence et la dualité de la procédure de la déposition de l'être. Cette déposition sera sans croix, sans échelle, sans foule, construire un grand tableau vertical, où sera réfutée toute norme de canon de la composition, espace, couleur, la composition tendant vers l'abstraction, sur l'informalisation, devrais-je dire, qui se construit sur un fond de ton sombre, diffus, sans décor ni paysage. L'idée des igneaux internaux et la forme des igneaux externaux, l'emportant sur l'idéal canoniste de la perspective, idea dei pittori, scultori e architetti. Il n'y aura aucun repère physique depuis le sol qui permette de voir comment les visiteurs et les accompagnements à cette descente se situent et rivalise de situations théâtrales. La composition de l'œuvre se voudra d'être une réinterprétation artistique personnelle, guidée par les seules exigences d'harmonie et de rythme.
Le tableau reposera uniquement sur des mouvements de corps qui livrent la preuve sur le corps de la pensée et bien sûr sur les mythes qui y sont attachés. Vivre le corps, vivre ce corps, le faire savoir de matière statuaire. Premier tableau, Crucis, où l'avant dégringolade, le Christ chair, le Christ humain, l'être qui reste sensuel même en cet instant de crucifixion, et en même temps, le pauvre bonhomme, hagard, abasourdi, sexué par erreur, dans cet instant de torture, dans cet état de sidération, d'en arriver là où il se trouve, seul, tout seul. Le fond, couleur enduit ou de badigeon, quelque peu effacé, des écorchures de falaise, pour accentuation de la verticalité, comme vestige d'empreinte, le corps amputé par l'usure, l'image de la fresque d'un temps passé, une béance allégorique du tombeau. Non, non, il ne s'agit ni de cruauté, ni de cri, ni de terreur, ni d'angoisse, ni de boucherie, mais d'intuition, et finalement, de délicatesse. Sa douleur n'est rien. Elle n'est rien encore. Elle se voudrait dire néant, mais néant est un mot. Sa douleur n'est pas le commencement du mot. Une énigme ou un prétexte, l'usurpation d'un geste. Deuxième tableau, Christus, descendance de Crucé, où la lente construction d'empilements resserrés du corps, sorte de fiction synthétique et romanesque de la passion, ne visant qu'à retenir l'attention du spectateur, non sur l'illustration d'une histoire connue, mais sur l'énigme que pose cette glissade du corps. Le corps du Christ ne paraît plus être l'élément secondaire du tableau, mais l'objet unique du mythe. Ce ne sont ici à aucun moment des mœurs, des scènes populaires, rien de ce réalisme ou de cette fausse raison qui repousse les dieux sans les remplacer par les mystères, mais une réalité mentale et naturelle encore baignée de mythologie, où l'homme n'est pas encore détaché de sa part semi-divine. Le tableau use, si je puis dire, de la poétique d'allusion dont ses sujets fondamentaux, le plaisir, la mort, semblent exiger la présence, métaphore ou allégorie, pour mieux indiquer une mesure singulière de l'espace et du temps. Que j'aimerais susciter entendre le doux rêve envisagé par Philippe Solers en son roman L'Intermédiaire. La voix d'une femme invisible me faisait remarquer que l'écriture abstraite ainsi révélée était parfaitement lisible. Voir cette descente corporelle en rêvant comme on voit réellement, c'est-à-dire renversée sur la rétine, endormie, je voyais donc en esprit dans mes yeux. Première image d'une farandole de corps sur fond partagé qui, partant d'une couleur enduit ou de badigeon, vient sombrer au-delà du drap du linceul dans une tonalité de nuit. Pour que cesse la douleur, il lui faudrait un geste. La douleur n'est rien. Elle n'appelle et ne susurre que son cri. Rien et douleur. Rien que sa main qui se presse et mon poing qui répond à l'ombre qui ne dit rien. Rien. L'ombre n'est rien qu'une douleur de la nuit, une trace de ce que la lumière a écrit. Ma douleur n'est rien. Que ce que mon poing arrache au papier dépeint de son cri.
Troisième tableau, De sensum ad corpus, ou le développé d'une liturgie corporelle. Nombre de représentations picturales de la déposition offre une vision plus qu'insistante car récurrente de et sur la souffrance physique. Ces représentations oublient ce que la détresse intérieure de l'humain peut imprimer extérieurement sur la sensualité du corps. Envisager les corps en tant qu'ils sont regardés, observés. Une technique est dévolue à cet effet, l'équation de la lumière et de l'ombre. Cette équation se résout en peinture par le rapport des couleurs. Tout naît de la couleur. Tout débute par les sensations colorées et colorantes qui imprègnent le motif, parce que tout est engendré par la lumière. La peau du Christ, jusqu'à sa mort, donne lecture d'une religion, de la lumière. La lumière ne s'exprime qu'en termes de superposition et de juxtaposition de surfaces colorées, où les diaphanes et marbrés offrent à voir un espace de représentation fantasmée, où l'œil voit bien au-delà du réalisme. Il n'est plus question d'icône, l'image magnifiée du Christ, il est question là d'aller bien au-delà de la représentation du réel, en délivrant le signifié, le symbolisé, en engageant un regard transcendant, une sorte d'image tremplin qui apprend à lire l'invisible dans le visible, le divin dans l'image. Rien et sans douleur. Un morceau d'écorce qui tombe profondément de la nuit. Et le néant n'est qu'un mot, que des signes des ombres, qui font entendre au cœur de la vie sa douleur, qui pousse son cri de la nuit. Quatrième tableau, Cum corpus moritur, où lorsque le corps se meurt, se recroqueville, se replie, se fétualise, jouant de l'entre-deux avant de prendre pour l'éternité du voir et du toucher la déploration sur le Christ mort en d'autres termes. Car entre voracité de l'œil et de la main, pour ne pas dire du corps du vivant lui-même sur l'objet, rappelant l'usure païenne consacrée au marbre de Pagne du gisant du cimetière Miséricorde de Nantes, l'une la touchant, l'autre la regardant, s'amorce une jouissance d'emprise tactile, du puisque voir psychanalytique, qui ne se guérit que par le sens du toucher. C'est l'image du processus archaïque de l'érotisme, cher à Georges Bataille. Le sens dernier de l'érotisme est la fusion, la suppression des limites. Le Christ nu est proche de ce moment de fusion que la nudité du corps recroquevillé annonce. L'espace séparant le Christ de ses observateurs se réduisant comme peau de chagrin à mesure de son approche du sol. Rapprochement s'accompagnant dès lors du toucher collectif. C'est là l'ultime limite dont parle Georges Bataille, cette pulsion tactile, toute imprégnée de désir et d'érotisme, la mise en relation avec l'interdit magistral qu'est celui de toucher les morts. La douleur n'est plus rien. L'ombre d'un geste lui arrache le visage des mots. Cinquième tableau, Christus Mandaxi, où le gisant qui invite le spectateur à scruter sans discrétion le corps d'un homme mort et qui n'a plus rien de divin, dans une approche plastique holbeinienne. Cette précision évoque sans concession
le reçuage des souffrances que le corps subit antérieurement. L'œuvre est là pour susciter de vives réactions de rejet, me permettant de reprendre au compte de ce tableau les commentaires de l'écrivain André Sarès. Le Christ mort est une œuvre terrible. C'est le cadavre en sa froide horreur, et rien de plus. Il est seul, ni ami, ni parent, ni disciple. Il est seul abandonné au peuple immonde qui déjà grouille en lui, qui l'assiège et le goûte, invisible. Ce Christ est sans espoir, il est couché à même le tombeau. Il est vrai que le linge d'ensevelissement, qui sera appelé à reposer sur le cadavre, constitue déjà l'espace tombeau ultérieur, voûte étouffante, qui ne laisse aucun échappatoire pour le regard du Christ ou que l'on porte au Christ. Il attend l'injure de la terre, la prison suprême l'écrase, il ne pourrait pas se redresser. Il est dans la mort, de tout son long, il se putréfie, c'est un supplicié et rien de plus, vous dis-je. Il n'est pas seulement soumis à la loi de la nature, comme tous, il est livré qu'à elle. Et s'il y a eu une âme dans ce corps, la mort l'insulte, me donne à croire que c'est l'œuvre d'un athée accompli. Ce gisant est à la fois personne et forme picturale. On écrit un gisant. D'abord, la vision du mort, qui vient juste après la figure d'agonie, constitue une scène qui recouvre la perception du réel, qui fait office de comparant et impose une vision du monde mélancolique. Quand le sujet donne toute son énergie au mort, le tombeau pictural devient berceau de l'écriture espérée. La défiguration dans l'œuvre rend possible une autre figuration. Le poème pictural s'élabore dans le processus même de la lente décomposition du corps. Finalement, la figure de deuil, ainsi formulée, concrétise une aventure unique du sujet lyrique qui, à cette occasion, fait parler un autre de soi, un autre en soi, et prend une voix poétique désaffectée. La peinture au sens de matière colorée, étalée en transparence, fait langage. La touche dit la violence du propos. On est dans l'esthétique de la dynamique du corps et de la turbulence des esprits.